Bonsoir à tous. Derrière moi se trouve une photo de mes parents. Papa, maman. La tempête a été forte, les vagues énormes et dévastatrices. Ce 9 novembre 1984, un fauteuil est entré dans votre vie. Vous êtes restés debout, fiers et forts. Votre pudeur à ne jamais avoir voulu montrer votre douleur est touchante. Je vous aime. J'ai 47 ans, je vis depuis 30 ans dans ce drôle d'engin. Un engin qui vous fait forcément voir la vie d'une autre manière. Alors pourquoi une photo de mes parents? Tout simplement parce que ce sont eux qui m'ont construit dans tous les sens du terme. Et que cette photo fait partie d'un projet qui s'appelle « Lettre à un ami » et qui consiste à photographier les gens que j'aime, les personnes auxquelles je suis le plus attaché, avec ou dans ce fauteuil. Lors d'une rencontre, je leur explique le projet et je leur demande d'imaginer quelle est notre relation. Ils sont parfois surpris, parfois gênés, en tout cas jamais indifférents. Chacun prend le temps de réfléchir à son ressenti avec ce fauteuil roulant et son propriétaire. Et puis, après quelques temps, chacun propose une idée que je mets en scène. Puis vient le temps de la photo, où, comme un imbécile, je donne mon moyen de transport aux gens que je vais photographier, ce qui ne simplifie pas les choses. Parce que pendant ce temps-là, je suis allongé par terre, je suis assis sur une chaise en plein milieu d'une route. Ça donne lieu à des situations assez cocasses. Et puis, une fois que cette photo est faite, en regard de cette photo, je leur écris un texte, une lettre à un ami qui est le nom de ce projet. En voici quelques exemples. Patrick, nous étions jeunes et à mobilette. Nous distribuions des journaux pour nous faire quelques sous. C'était une autre époque. Ma mobilette s'est transformée, mais la folie est restée. Mon copain d'enfance aussi. David, il me plaît depuis toujours à me rendre en carrosse dans votre château Mille Roses. Quel joli nom pour une bâtisse et un vin si subtil. Vous avez à la fois le sens du ridicule et un vrai sens de l'amitié. Auriez-vous cependant l'amabilité de ne pas essuyer vos pompes sur mon moyen de transport ? Jeanne, dis-toi que ton papa en quitte, le deuxième du nom, est un drôle de rigolo. Ce fauteuil orange, on peut en rire. Tu es ma complice, sois ma fille. Alors pourquoi cette idée? Tout simplement parce que la photographie est ma passion, que j'aurais aimé en faire mon travail, parce que l'écriture est quelque chose qui me libère. Et puis enfin, parce que la relation aux autres, les relations humaines, sont quelque chose qui compte énormément pour moi. Ensuite, parce que la position assise confesse un certain regard, un certain détachement. Elle permet de développer un sens de l'observation aiguë, je dirais même un sens de l'intime. Aussi parce que je me suis rendu compte que quoi que je fasse et où que j'aille, ma différence me permettait de créer de la relation. Et puis, certainement aussi parce que j'ai dû inconsciemment vouloir témoigner sur le handicap en faisant passer le message que cette épreuve pouvait susciter un intérêt. Jean-Paul Sartre disait « Je ne suis pas responsable de ce que la vie m'a fait, je suis responsable de ce que je vais faire de ce que la vie m'a fait. » En physique, la résilience, on en a parlé tout à l'heure, la résilience, c'est la capacité pour une pièce de métal à retrouver après un choc sa forme initiale. En psychologie, on parle de résilience pour un être qui est capable, après un choc, après un traumatisme,
pour sa capacité à se reconstruire et à ne pas tomber dans la dépression. La résilience, on dit que la résilience serait rendue possible par des expériences structurantes de l'enfance ou par la réflexion ou par la parole. En ce qui me concerne, je crois avoir trouvé cette force tout simplement dans le regard de mes parents. Ils m'ont donné de la confiance, de l'énergie positive, un optimisme débordant. Et je crois que ça a été, pour moi, la meilleure façon d'affronter cette épreuve. Ensuite, j'étais sportif de haut niveau avant mon accident et je pratiquais le volleyball. Et je crois que la pratique de ce sport et aussi la personne qui me l'a enseigné, qui s'appelle Loïc Delabarre, qui a été comme un second père pour moi, m'a permis de trouver la force. Et puis, ça m'a permis aussi de me forger un mental de gagnant, certainement. Et puis, il y a eu des personnages de ma jeunesse, comme Manu, qui est là ce soir, et Laurent. Laurent. Alors du coup, j'en oublie de montrer Laurent. Il est où, Laurent? T'es où, Laurent? Laurent. On a fait cette photo il y a 15 jours sur la plage en Bretagne. Comme quoi, il ne fait pas toujours un temps pourri chez nous. Je ne sais si un seul mot existe pour définir cette équation insoluble et rigolote. Une force magnétique, un champ fusionnel, de l'amour en folie, de l'ivresse au kilomètre. Ma lolotte chérie, mon frère, mon pote de toujours. Je pense pouvoir dire que mon accident, finalement, n'a été qu'un rebondissement. Après quelques mois passés à l'hôpital, 3 mois contre l'avis des médecins, je suis ressorti de l'hôpital, j'ai passé mon bac, j'ai fait des études de droit, tout de travers, et puis je me suis finalement lancé avec gourmandise dans la vie. Philippe, j'aime à te retrouver sur les chemins de mon enfance. Quand tu bondis de ce fauteuil, sur cette plage, j'y vois un hymne à la joie, à l'optimisme et à la victoire. Carte postale, île d'Oléron, juillet 2010. Alors certes, je ne vais pas vous faire croire que la vie en fauteuil roulant est aisée ou facile. Quand cela vous arrive, ce n'est pas noir, ce n'est pas gris plutôt, c'est noir ou blanc. Vous êtes sur un fil en équilibre et vous tombez d'un côté ou de l'autre. Dans la vie, j'ai l'habitude de dire que plus on prend des claques dans la gueule et plus on avance. Il se trouve que je l'ai prise assez tôt et que ça m'a obligé à réfléchir autrement. Et comment se projeter dans la vie quand vous êtes frustré sans le savoir, quand vous vivez des frustrations perpétuelles? Eh bien, avec le temps, j'ai compris que la frustration, finalement, est une invitation à trouver le bonheur en soi et qu'elle vous permet de ne garder que le nécessaire, que l'essentiel, que le vital, pour trouver la force de vivre. Denis, mon ami, qui se fait désirer lui aussi, sait ce que la frustration veut dire. Mon ami, Denis, même si cela ne se voit pas, lui, c'est la vue qu'il perd. Et je crois que, comme moi, il a compris que l'essentiel, c'était l'urgence de vivre, l'urgence de partager, l'urgence d'échanger, l'urgence d'être différent, de le montrer, de l'assumer. Et je vais donc vous lire une lettre à Denis. « Même si je porte un boulet, je sais que je n'ai pas le monopole du fil à la patte. Je lis dans ton regard un monde incertain et de souffrance, ton insatiable soif de découverte, ta liberté d'agir et de penser nous réunissent. Une affection profonde me relie à toi. » Alors, quand vous ne pouvez pas faire ce que les autres font, eh bien, il faut réussir à trouver une autre manière de le faire. Moi, je crois vraiment que c'est la photographie qui m'a permis de voir les choses d'une autre manière, c'est le cas de le dire. Et je crois que la sensibilité que j'ai perdue dans mes membres, finalement, je crois l'avoir décuplée dans mon regard. Et puis, quand vous êtes frustré, il y a une chose très importante qui est essentielle. C'est le rire, c'est l'humour, c'est la dérision, c'est être capable de rire de ce que l'on vit et être capable de le vivre pleinement.
Alors, ça m'a. Si je vous dis ça, c'est que le handicap permet de tout voir vraiment d'une autre manière, sincèrement. Même le corps des femmes. Imaginez, mesdames, que la première chose que je vois chez vous quand je vous rencontre, c'est votre poitrine. Ça a quand même de la gueule. Le nez dans un décolleté. Si je vous dis ça, c'est que la sexualité, en fait, et le handicap, c'est quelque chose qui intéresse énormément les gens. Alors, j'ai toujours été surpris de ça. Mais la première question qu'on me pose, vous n'allez pas le croire, mais c'est vrai, très souvent et très rapidement, c'est de savoir si je peux. Donc, la première fois qu'on m'a dit, dis donc, Jean-Philippe, tu peux ? Je dis, je peux quoi ? Bah, est-ce que tu peux ? Bah, vas-y, dis, je peux quoi ? Bah, c'est un peu gênant. Est-ce que tu peux ? Je dis, peux faire l'amour ? Elle dit, oui, ça m'embête un peu de te demander ça, mais oui, quoi. Alors, je vous rassure, mesdames, ça ne sera pas chérie, prends-moi debout contre la commode. C'est pas tellement debout, c'est la commode qui m'embête. Ça ne sera pas non plus j'ai super envie que tu mettes tes patins à roulettes, que tu te suspendes au lustre du plafond. Moi, je me mets à quatre pattes là sur la moquette, tu suspends et hop. À cheval, mémé, voilà les Indiens. Ça ne sera pas ça. Ça ne sera pas ça, je vous rassure, mais ça sera beaucoup plus subtil. Ça sera beaucoup plus touchant. Ça sera beaucoup plus énervant. Ça sera beaucoup plus enivrant. Je vais arrêter là parce que je m'excite moi-même. Alors cela m'a donné l'occasion de faire une image, puisque ça intéresse tant de monde, que j'aime assez. Regardez cette jeune femme. Quand je lui ai parlé du projet, et qu'elle m'a dit immédiatement, tout de suite, « Waouh ! Faudrait trouver une gonzesse, sous-entendant que c'était elle, qui accepterait de faire des trucs chauds avec ton fauteuil. » Purée ! Son mari était là, j'étais plus embêté. En tout cas, ce qui m'a plu dans cette image, ou dans cette parole, c'est qu'elle me voyait comme un être érotique et comme un être sexué. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Et donc, ce que je vais vous montrer à travers ça, c'est que le fauteuil roulant peut être un formidable atout de séduction. Si on n'en a pas peur, il n'y a aucune raison. Voilà. Et pour les messieurs que ça intéresse, après ce talk, si vous le souhaitez, je vous donnerai quelques conseils. Puis est venue la douleur. La douleur physique, une douleur physique intense, une douleur physique, le résultat de 15 années passées à la tête d'une entreprise de 5 personnes, 15 années passées à vivre, à rigoler, à faire la fête, à avoir des projets, à partir dans tous les sens, à faire un peu n'importe quoi et à s'éclater. Et la douleur est arrivée. La douleur qui vous envahit, la douleur qui ne vous quitte plus jamais, la douleur qui vous brûle, la douleur qui vous transperce, celle qui étreint. Et quand la psy que je voyais à l'époque m'a demandé de remercier ma douleur tous les matins en me levant, je dois vous avouer que je me suis demandé si elle n'était pas un peu cintrée. Mais j'ai réfléchi à la chose et je me suis dit, qu'est-ce que peut m'apporter le fait de remercier ma douleur ? Ce que j'ai commencé à faire tous les matins en me levant. Et je me suis rendu compte qu'en remerciant ma douleur, eh bien, j'arrivais à prendre du recul, j'arrivais à prendre de la sagesse, et j'arrivais à prendre de l'élévation. Et donc, je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que j'avais des capacités, nous avons des capacités énormes pour affronter les choses,
et nous avons une capacité d'adaptation qui est absolument phénoménale. Et je me suis rendu compte que mon cerveau était capable d'encaisser cette douleur et que mon cerveau était capable de se remettre au niveau de ma douleur pour pouvoir l'accepter et pour pouvoir la surmonter. Et ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, le seul moment où je n'ai absolument plus mal, où je ne sens absolument plus ma douleur, c'est quand je fais de la photo. Je vous enlève cette photo parce que je sens qu'elle vous perturbe. Patrick, tu as cette discrétion, cette humilité, cette finesse qui caractérise l'intelligence. Tes mains sont le prolongement de celle-ci. Avec elles, chaque jour, tu me soulages d'une douleur étourdissante. Et puis, dans la douleur, il y a la douleur partagée, avec ceux et celles qui étaient à mes côtés lors de mon accident, et Marie, ma petite amie de l'époque. Marie, ce soir-là, le 9 novembre 1984, je devais venir te chercher à la gare. Je ne suis jamais venu. Tu m'as retrouvé paraplégique dans un hôpital. Quelques mois après cet accident, la vie nous a séparés, et puis avec le temps, nous nous sommes retrouvés conscients d'avoir vécu ensemble quelque chose d'exceptionnel. Marie m'a répondu, « Jean-Phi, merci beaucoup pour tout. J'aurais aimé montrer le tsunami, le gouffre qui s'est ouvert sous mes pieds, la fin d'un monde qui s'est produit, lorsque j'ai appris que tu ne remarcherais sans doute plus. Comment l'exprimer en photo ? Je t'aime profondément. » Et puis, il y a aussi la douleur, je ne parlerai pas de douleur d'ailleurs, je parlerai plutôt d'attention des gens qui vivent avec moi depuis quelques années. Ceux qui doivent m'accompagner, me voir me débattre avec ma douleur et avec mes questions d'avenir, et qui n'ont peut-être pas encore compris que ce que nous vivons ensemble nous apportera à tous une force incroyable. Sophie, tu portes en toi l'énergie pour me tenir debout et m'accompagner dans la vie. Tu as à la fois l'élégance et la féminité, l'équilibre et la stabilité. Chaque jour dans l'arène, tel le gladiateur, tu combats grâce à ta détermination. Est-ce une épreuve de force ? Ce qui est intéressant avec les problèmes de santé, c'est que ça vous apprend l'humilité. Vous développez une sorte de fragilité qui vous fait devenir plus conscient. Et donc, ça vous permet d'avoir une plus grande ouverture d'esprit et d'être plus tourné vers les autres. Alors oui, je suis différent. Et cela fait bien longtemps que je ne souffre plus du regard des autres. Car je cultive cette différence, car pour moi, elle est nourricière et singulière. Jean-Pierre, merci mon oncle pour ce « je vous emmerde » franc et massif. Ce bras d'honneur est un hommage à tous les cons, à ceux qui pensent que la différence est dérangeante. Alors c'est vrai, je me suis vite assumé en fauteuil roulant, car je me suis rendu compte que mon fauteuil était un amplificateur relationnel. Je me suis rendu compte que c'était un mode de communication non verbal très puissant, et je me suis rendu compte que c'était presque une forme d'expression. Je m'en suis rendu compte aussi puisque j'ai pas mal voyagé et à l'étranger, ça a suscité pas mal de belles rencontres, mais aussi de l'étonnement et de l'admiration. Monsieur le ministre, chef de la diplomatie espagnole depuis 2004, vous portez en vous tous les messages du monde. Excusez-moi, vous portez en vous tous les messages de paix du monde. Cela fait de vous un homme profondément bon et rare. Miguel, octobre 2010. Tout un symbole. J'arrive à Madrid, tu viens de tourner le dos à ton siège. Alors c'est vrai que je n'aime pas non plus, enfin, je n'aime pas les cases, je n'aime pas qu'on veuille absolument me faire rentrer dans une petite boîte. Et je vais vous raconter juste deux histoires rapides et rigolotes qui font qu'on s'aperçoit que les gens en fauteuil roulant ou les gens qui ont un handicap ou les gens qui sont différents, en fait, on veut absolument les mettre dans quelque chose. Il se trouve que j'ai une grosse voiture allemande, Break, dont je ne citerai pas la marque, et qu'un jour, je me gare à Quimper, sur une place handicapée. Je me gare avec ma voiture, j'arrive, j'ouvre ma porte, je vais pour descendre mon fauteuil, et là, il y a une dame qui me saute dessus et qui me dit,
Les places handicapées, c'est pas pour les chiens. Ce à quoi je réponds, mais je ne comprends pas, madame. On ne peut pas être beau gosse, avoir une grosse voiture et être handicapé. Pouf pouf, aurait dit Pierre Desproges. Ou alors, je crois que je vais vous raconter la deuxième sur le stationnement, parce que ça m'est arrivé il y a 5 jours. C'est vraisemblablement la même, mais c'est assez rigolo. C'est un petit gars, j'ouvre ma fenêtre, et il me dit « Hey, monsieur, tu sais que c'est la douane, c'est le contrôle de papier ici. Ben, » Je dis « Ok, mais je dis mais je me garais sur une place handicapée. » Je dis « Mais pourquoi tu veux mes papiers ?» Il me dit « Contrôle. » Je dis « D'accord, ok. » Mais je dis « Pourquoi ?» Il me dit « t'as pas le droit de te garer, c'est une place handicapée. Ah, » Je dis « Ouais, je sais. Ben, » Je dis « Regarde le fauteuil qui est à côté de moi. » Alors, je vous la refais parce que je ne l'ai pas bien fait. le jeune homme me dit « C'est contrôle de douane, est-ce que vous pouvez me présenter vos papiers ?» Je lui dis « Non, je ne les présente pas parce que j'ai le droit de me garer là. » Il dit « Mais non, t'as pas le droit. » Je dis « Pourquoi j'ai pas le droit ?» Il dit « T'as vu la caisse que t'as ?» Ben, je lui dis « Ouais, mais regarde, j'ai un fauteuil. » « Oh putain !» Il me dit « La boulette ! La boulette ! C'est pas possible !» Comme quoi, des codes, on est handicapé. Donc, si on est handicapé, on est malheureux. Si on est handicapé, on est dans le besoin. Et si on est handicapé, on n'a pas de travail. Voilà. C'est des codes, c'est des cases. Et j'ai horreur de ça. Donc, pour finir, j'aimerais vous dire que, effectivement, pour moi, la différence est une richesse, une formidable richesse qui vous permet de comprendre qu'on peut aller vers des gens qui sont différents, qui ont une autre culture, qui ont un autre mode de fonctionnement, et que pour moi, ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et puis, pour terminer, je voudrais vous dire que ce fauteuil m'accompagne dans la vie depuis 30 ans, c'est mon compagnon de vie depuis 30 ans. Si je peux dire qu'il m'a fait connaître le pire, je crois aussi pouvoir dire qu'il m'a sauvé de la médiocrité, parce que tous les jours, il m'oblige à m'élever et à grandir. Je voudrais vous le dire sincèrement, cette expérience mérite d'être vécue. Sincèrement, cette expérience mérite d'être vécue. Et puis, parce que je lui voue un amour incommensurable et une tendresse incommensurable, je voudrais dédier ce talk à mon fils Achille, que j'aime tendrement. Achille, tu es mon cœur, ma joie, ma passion, mon courage. Avec toi, je voyage de surprise en émotion. Brésil, terre de partage, Rio, avril 2010. Merci.